Les photos de son visage tuméfié, publiées dans la nuit, sont un véritable choc. À presque 37 ans, l'actrice Judith Chemla a dévoilé ce lundi plusieurs photos des bleus que lui aurait infligé son ex-compagnon, le réalisateur Yoann Manka, après une dispute il y a un an. À l'époque, le couple était attendu sur la croisette pour présenter leur film mais ne s'était pas présenté, l'actrice ayant immédiatement été signalée les violences à la police. Un signalement qui n'a semble-t-il rien donné, puisqu'un légende de ses photos de son visage meurtri, elle accuse le père de sa fille cadette de continuer d'essayer de, lui, nuire. Il devrait avoir honte aujourd'hui, un an après, au lieu de continuer à faire pression sur moi, de penser qu'il a encore les moyens de me manipuler, au lieu de pourrir la tête de mon enfant, il devrait avoir honte et se faire discret, rechercher vraiment à être pardonné. Ce n'est pas le cas, écrit-elle, dépitée, avant de se demander quelle est la marche à suivre désormais pour être enfin libre. We'll be right back.